Bernard Tuton, ancien international camerounais. Ma vidéo ce matin, c'est un droit de réponse à Monsieur Belmadi, sélectionneur d'équipe nationale d'Algérie. Monsieur Belmadi, avant de vous répondre, je vais vous citer trois noms. Belloumi, Sitouni, Mustapha Daleb. C'était des footballeurs d'une élégance sans pareil qui ont porté l'Algérie au firmament du football africain. Tous les Africains aimaient cette équipe d'Algérie. Monsieur Belmadi, j'ai écouté votre interview hier et c'est la troisième interview que j'écoute. Croyez-moi, j'en ai jusque-là. Vous ne vous remettez pas en question. Vous accusez les arbitres matin, midi et soir. Vous savez déjà que l'arbitrage africain a du mal à s'imposer au niveau mondial. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous divisez. Le football, c'est un sport de rassemblement et non de division. Monsieur Belmadi, au Cameroun, vous nous avez gagné. Nous avons applaudi. Nous avons félicité que ce soit le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, que ce soit l'entraîneur, l'emblématique Gobesson, sélectionneur du Cameroun. Il vous a envoyé un message. Il vous a dit, quand tu es en danger et que tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. Mais quand tu es en danger et que tu ne sais pas que tu es en danger, tu es en danger. Ce message, vous ne l'avez pas compris. Alors, nous, on s'est qualifié en Algérie avec respect. Tout ce qu'on vous demande, Monsieur Belmadi, c'est que vous respectez le peuple africain. Vous respectez le peuple camerounais. Chaque fois qu'on a joué l'Algérie, on s'est imposé le Cameroun. Mais avec respect, de grâce, en tant qu'ancien footballeur, vous devez arrêter, Monsieur Belmadi. J'ai tenu à vous répondre parce que j'en ai marre. Et ce qui m'a laissé sans voix hier, c'est que vous avez fait comprendre à l'Afrique que vous n'êtes pas africain. Quand vous allez jouer, c'est ces gens-là, c'est ces Africains. Monsieur Belmadi, j'ai cru croire hier que vous êtes asiatique. Alors, je vous appelle à faire une lettre à la FIFA pour que dorénavant, vous jouez avec des clubs asiatiques ou les clubs européens. Peut-être que ça serait mieux pour vous. La prochaine fois, Monsieur Belmadi, il y a un peu de respect pour le football. Bonne journée.